Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Magic Pascal. Aujourd'hui, nous allons parler des tours de petits paquets. Ils sont les effets les plus appréciés de la magie des cartes, car faciles à suivre, leurs effets sont surprenants, directs, rapides, mais surtout dévastateurs. Je vous invite dans un instant à regarder une démonstration, mais avant tout, j'aimerais remercier un magicien qui s'appelle Peter Ford Magic. Pourquoi ? Simplement, il m'a offert un super maillot que vous pouvez voir ici, Picker Trèfle Carreau. Thank you very much, Peter. Un sous-verre avec l'as de pique et un super bicycle guardian. Franchement, ça, c'est génial. Maintenant, passons tout de suite à la démonstration. Sur une base de 4 cartes, nous allons utiliser les 4 dames. Pour cet effet, les dames vont se déplacer à la vitesse de la lumière. Pour la première, eh bien, c'est par ici. C'est la dame de cœur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la vitesse d'exécution qui a été engendrée par le détournement de l'attention. Pour les 3 autres dames, il est important de préciser que le point essentiel pour créer l'illusion, c'est la misdirection, que le magicien exerce de manière naturelle afin d'aiguiller les yeux du spectateur à l'opposé de l'action même. Mais ça, je sais que vous le savez. Celle-ci peut être orchestrée aussi bien de droite comme de gauche. Et pour l'exemple, je vous propose la dame, eh bien, de trèfle. Il est important de préciser que les points d'action pour que ce tour fonctionne sont concentrés principalement aux différents endroits du tapis, afin de dérouter l'œil du spectateur. Ici, pour l'exemple, je vous propose la dame de pique. Concernant la dernière carte, le processus est complètement différent. Car ici, l'œil du spectateur étant habitué au gestuel à ce stade, il pourrait suivre le déplacement de la carte. Donc, nous allons modifier la gestuelle en déposant la carte simplement sur le tapis. Mais comme la matière est composée d'atomes principalement, il est très facile à ce stade d'imaginer que la carte a pu disparaître. Même si l'on sait que les particules majoritaires ne se désintègrent pas. La troisième carte vient de partir, mais vient juste d'arriver, eh bien, ici, la dame de carreau. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao les amis !